Salut les mecs, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. La famille, ça fait un moment, oui, ça fait longtemps. Je vous expliquerai toutes les raisons de mon absence. La raison aussi de pourquoi j'ai été banni de Twitch pendant un bon moment, ça devait être définitif. Mais je suis revenu, je reviens demain en stream avec une très grosse annonce. Je reviens pas les mains vides, vraiment, soyez là, annonce de fou furieux demain. La famille, n'oubliez pas, ici c'est la chaîne secondaire où il y aura tous les meilleurs moments des lives. Donc abonnez-vous, c'est important. Surtout qu'il y a plein de choses qui vont arriver. N'hésitez pas à me lâcher un commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas, venez sur Instagram. Mon Instagram, Amine Mathué, c'est l'endroit où je vais vous faire plein de cadeaux. Tous les lundis, votre react, comme d'habitude, comme celui qu'on va faire tout de suite, qui n'était pas d'ailleurs sur Twitch, qu'on va faire tout de suite maintenant. Donc on va se lancer un épisode des pires dates. Et j'espère qu'on va bien se marrer. Prenez soin de vous, on se fait un bête de react, posez-vous, mettez-vous bien, asseyez-vous, prenez votre Capri-Sun, je sais pas, appelez votre daronne. Non, pas votre daronne, mais... Voilà, mettez-vous confortable. Allez. Bon, il a l'air super gentil quand même. Attendez, je sais pas s'il savait ou il savait pas. Il se parle avant ou c'est un date à l'aveugle? J'ai pas compris. Ah! Il est marrant. Il est marrant, c'est un beau. Après, en même temps, tu veux dire quoi? Que tu sois intéressé ou pas? T'as juste à être un mec sympa et fin de l'histoire. Et vous passez un bon moment et fin, que tu sois intéressé ou pas. En fait, ça sera toujours l'éternelle question de est-ce que c'est un manque de respect si elle l'a pas prévenu pour ses bras et est-ce qu'il doit se casser? Moi, je pense que je pourrais jamais me casser, j'aurais trop de peine. Même si elle m'a menti ou quoi. Imagine, tu t'assois et genre tu te casses à cause de ça, c'est terrible. Moi, je peux pas faire ça, faut être sans âme. This, you know, crazy different thing. It's just sort of adapting. Par contre, je suis désolé, hein. J'ai absolument rien contre elle, hein. Mais je peux pas manger avec elle. C'est impossible. Je peux pas manger avec quelqu'un qui mange avec ses pieds sur la table devant moi. Je vais pas faire l'hypocrite ou quoi, c'est vrai. Je suis avec un pote à moi, il commence à mettre ses pieds sur la bleuta et il mange son riz poulet avec ses pieds. Je suis à deux doigts de dégueuler, moi, à table. On fait tout ensemble, si tu veux, mais pas manger avec tes pieds. Je. Mais elle est vraiment allée aux toilettes et elle a dit à l'équipe de prod, suivez-moi, j'ai un truc à vous dire dans les chiottes. Non, il est drôle. Il est drôle. Putain, comment je pourrais pas vivre avec des colocataires? C'est impossible. Je suis tellement associable quand je suis chez moi. Quand je suis chez moi, je suis trop dans ma zone de confort, de sécurité. J'aime pas quand on me dérange. Quand je suis dehors, putain, c'est trop bizarre ce que je dis. Quand je suis dehors, je suis le mec le plus sociable de la Terre. Mais quand je suis chez moi, c'est tellement un cocon. J'aime pas. À part si demain, bien sûr, c'est ma famille. Mais genre, des colocataires, c'est pas des gens de ma famille. Genre, qu'il y ait des gens comme ça chez moi, je pourrais pas, ça me dérangerait. En fait, déjà, juste de se dire, mon chez-moi, c'est pas vraiment mon chez-moi. La colocation, en vrai, c'est ça, ton chez-toi, c'est pas ton chez-toi. Déjà que de base, la location, ton chez-toi, c'est pas vraiment ton chez-toi, alors la colocation... 100%, I mean, you know, I'm not harmless, so I don't know your experience. Les gars, j'ai vu la lumière. Je pense qu'il utilise la strat de dire la vérité via les blagues. Genre, en fait, depuis tout à l'heure, il fait pas de blagues. Il dit tout ce qu'il pense et il se dit eh, elle va prendre ça pour une blague, mais au moins, après, si je fais un move de bâtard, je pourrais lui dire, mais je te l'avais dit. C'est toi, t'as rigolé, moi, je comprenais pas. Do you have a hot take on anything? I have a few hot takes. Ah, genre, c'est un unpopular opinion, là? Wesh, l'explosivité qu'elle a! Comment elle est partie d'un coup de la chaise, c'est Sterling! Mais comment tu peux préférer des reptiles aux chats? Non. It was so nice meeting you. Yeah, it was really nice to meet you too. You have a nice smile. I like talking to you. Thanks, you do too. Do you want to get out of here? Yeah. Ils vont où? Okay, cool. I hope we see each other again. What do you think? I think we should see. Ça serait trop
je dirais pas ça serait trop bien, mais je trouve que ça serait incroyable que lui veut vraiment la revoir de ouf et que elle veut vraiment pas le revoir. Non mais elle est trop gentille, c'est une crème. Et lui aussi en vrai. Les deux sont super sympas. J'ai déjà eu des histoires qui se sont arrêtées à cause de mon métier. C'était quoi son métier déjà? Elle avait quoi, la Von Lifan? Salut. Salut. Ilan. Enchanté. Putain, y'a Tiki. Okay. Qu'est-ce qu'il fout là? C'est un mélange entre Tiki et Bernardo Silva. Tu viens d'où? Là j'arrive de Corse. Ah, de Corse? Je connais très bien. J'habite à Nice. Ah bah j'ai habité aussi à Nice. C'est quoi le rapport entre Corse et Nice? Peut-être je suis fou, je suis une con géographiquement parlant, mais que... T'as des critères particuliers pour les filles? Pas spécialement, mais un beau sourire. C'est hyper important. Oh le menteur. C'est la guerre mondiale, c'est pas possible. C'est un taillé là? Non, pas du tout, justement. Mais non, elle a pas compris. T'as un beau sourire. Ok, super la conve, en tout cas, on s'éclate. Hein. Je me dis qu'elle a des belles formes, et je vois qu'il y a cette étincelle quand je la regarde dans les yeux. Oui, dans les yeux. L'étincelle, elle est pas dans les yeux, frérot. D'ailleurs, par exemple, comment tu surprends une fille? Bah, si je suis avec et j'entreprends énormément. Mais frérot, c'est grave dur comme question. Une meuf, elle te demande ça, tu fais un truc de con. Moi, à sa place, je sais pas, j'aurais crié. Surprends-moi, bah poto, veut que je fasse une roulade par terre ou quoi? Par exemple, je vais la lever, je vais lui dire vas-y viens, on va faire les magasins, après on va au restaurant. Enfin, j'entreprends énormément, je vais pas comment il veut que prouver demain, à Dubaï, il donne tout, il donne tout. Genre ça c'est vraiment moi, je suis pas du genre à prévoir ou quoi que ce soit par contre. Dubaï hein. J'ai pas d'animaux, j'ai un petit garçon. C'est pas un animal ça. Attends mais c'est vrai, attends je viens de tilter. J'ai pas d'animaux, j'ai un petit garçon. Je suis mort, la transition de fou. Non, j'ai un petit garçon. On parle d'animaux? Non. Genre, c'est vraiment juste au-dessus de l'animal, mon petit garçon. C'est pas un animal, mais vu que tu m'as demandé si c'est un animal, non, mais c'est juste au-dessus, c'est un petit garçon. Non, mais c'est pour ça, garçon. Non, je te réponds, j'ai pas d'animaux, mais j'ai un petit garçon. Il a quel âge? Il a 3 ans. Ok, voilà. Félicitations. La taille d'un Doberman, peut-être. Sur le bras et... Le bras, tout le côté, là. Ouais. Entre les... Ah ouais, c'est un cahier de brouillon. Dans quoi tu travailles aussi? Après, tu peux pas travailler avec n'importe... Enfin... Un tatouage dans le cou dans tous les métiers aussi. Elle va parler de son taf ou pas? Tout à l'heure on discute et tu me dis pas ce que tu fais. Mais parce que moi je suis galante, moi j'aime bien laisser. Non. Je te retourne la question. Elle est suspicieuse, comment elle laisse traîner le truc? Moi je suis dans un milieu artistique, dans le monde de la nuit. Ok. Artistique du monde de la nuit? T'es un peu cachotière. Cachotière? C'est quoi, elle fait de la peinture sur la bouteille d'alcool? Je suis très stressée. Parce que ça match entre nous. Non mais. Lui déjà, il est vraiment venu pour tout donner. Il est à fond, il est intéressé. Regardez comment il est tendu, il est sous pression, sourcils levés, comme Ancelotti. Chemise ouverte, déboutonnée, bien large comme Sky Hart. Non, là, il vient quoi qu'il arrive, il est déterminé. Croyez-moi, elle peut dire son métier tranquille, il va tout accepter. Je suis pas stripteaseuse. Ouais. C'est pas mal comme métier. Et tu fais ça depuis longtemps? Ça te dérange pas, toi, d'avoir... Après, avoir selon le feeling... Tu sens qu'il est un peu stressé, quand même. Tu pourrais dire à tes parents que tu es avec une stripteaseuse? Franchement, pas du tout. Pas du tout. Oh, c'est honnête. Tu penses qu'ils réagiraient bien ou mal? Non, après, ils me laisseraient faire ce que je veux. Ok. Ma femme allait faire son striptease et moi, je l'attends à la maison, genre. Comment il a imaginé la scène? Je suis déçue parce que je comprends que mon métier, bon, il pourrait l'accepter. Au moins, il est honnête. Il a le droit d'être honnête, quand même. Et ils te mettent les billets dans le string, tout ça. Toi, tu regardes tous les films. Dans les films, je les vois, ils mettent les billets. Il a trop joué à GTA. Bah frérot, après, c'est vrai. Il connaît pas, il s'imagine le truc comme ça, c'est logique. Va donner le billet, normalement, poliment, dans la main. Genre comme si c'était un serveur, c'est un pourboire. Si j'étais escorte, je t'aurais dit je suis escorte. Ouais, mais t'aurais pu accepter... En fait, je... Après, stripteaseuse, mais c'est un choix, mais... Chacun sa vision de la vie. Moi, je sais ce que je veux. Franchement, après, c'est à toi de voir aussi. Elle est dépitée. Franchement, c'est pas du tout dans ma vision de la vie. Bon, franchement... Je vais retourner jouer à League of Legends. J'ai un Elo Challenger à récupérer. On peut rester amis, tout ça. Aïe. Bah, au moins, il est honnête, en vrai. Je vois, je le sens très clairement que c'est un homme faible. Que c'est un homme qui est... Mais quoi?
des décisions hâtives, en fait, sans avoir tous les éléments. Elle est bornée, hein. Mais tu prestations dans les boîtes de nuit, de show de twerk. Ah, le sourcil qui monte. Il y a une alerte dans son crâne. Il a bandé du sourcil, mais c'est grave. Oui, je suis spécialisée dans le twerk. Attends, il faut que je te montre en plus. Ah non, c'est ça, oui. C'est ça, ouais. Mais sans la robe. Mais en... Ah, sans la robe. Bah oui. Oh, sans la robe. Oh. J'avais zappé ce truc-là, frère. Non, il a trop faim, mais gros. C'était là que j'ai eu des galères. C'était là que j'ai eu des galères. C'est 15%. Ouais. Incroyable. Pas mal. Non mais c'est très bien ce que tu fais. Mais du coup pourquoi ça te gêne d'avoir ta copine? Oh, le regard qu'il a, c'est incroyable. Ah, gras d'une scène. Ah mais tu vois, oui, mais c'est ça, un show déjà... de twerk, c'est en discothèque, mais c'est bon ça, ok. Bah quoi? Mais alors c'est un souci. Franchement. Il a changé d'avis. Juste pour une estrade. Genre l'estrade ça change tout. J'aimerais bien. Quoi? Suivre ensemble. Et là finalement ça a tout changé. Ah, non, ça a tout changé, non, l'homme il est faible. Ouais, écoute, au début j'étais un peu maladroit. C'est vrai que on a discuté, je te connaissais pas. T'as twerké. T'as l'air de quelqu'un de très bien. Très bien twerké. Quelqu'un de très bien. T'es sympa, t'es gentil, franchement. T'es sympa quand tu twerk. Très gentil. Au final, franchement, j'ai bien réfléchi. Et je te laisse cette clé. Non, c'est terrible. Il a les yeux en tourbillon. Il est hypnotisé. Il a l'air de vouloir quand même une vraie femme et pas une stripteaseuse. Après, toi aussi, tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu fais quand tu fais ça. Arrête. À un moment donné, des deux côtés, faut arrêter de faire les innocents. Ça y est. Commence à twerker. Ah, ouh là là, là là, je veux une twerkeuse. On a perdu l'âne, là. On ne sait plus ce qu'il veut. Elle a repris la manette, là. C'est elle qui a repris la manette. Je me suis découvert une passion pour les filles qui twerk. Je me suis découvert une passion pour les filles. Moi, je pense que c'est bien foutu. Elle va venir. Mais what? Putain, sa longue veste à l'Undertaker. On n'était pas fait pour s'entendre, je pense. Tu l'as bien vu. Oui, c'est... Et moi, j'étais un peu déçue sur le fait que tu changes d'avis avec un twerk. Bah, réel. Au final, bah, je me rends compte que bah, malheureusement, tu sors pas du lot. Ouf. En fait, je crois, elle l'a vu comme un client de son taf. T'es à sa place, là, tu dois te sentir comme un microbe. Je vais pas mentir, ça c'est vrai. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Et je pense que tu corresponds pas, du coup, à la... Aïe. Très bien. Comment il se pose? Il se pose comme un cow-boy. C'est mieux qu'on s'arrête là, alors. Ouais. Et au plaisir. Après, tu penses que c'est mieux qu'il faut s'arrêter là, mais c'est pas vraiment toi qui as décidé. Et en fait, cette fille, il s'avère que c'est l'ex... de Yanis. Le triangle des Bermudes. C'est quoi cette histoire encore? Yanis, il veut pas que Raya soit au courant et qu'on reste un peu caché. Ils sont encore ensemble ou quoi? Aujourd'hui, je suis venu rencontrer Yanis, mais avant que j'ai besoin de dire la vérité à Raya. Non, mais eux, ils sont tellement capables de faire des scènes incroyables, c'est la meuf qui va débarquer au date là. Je suis venu avec Raya. Raya ne se doute absolument pas de ce que je vais lui dire. Quoi? Elle pense qu'elle m'accompagne parce que c'est mon amie et qu'elle voulait être là pour ce moment-là. Non. Mais c'est quoi ces scénarios de fou furieux là? Vous foutez de ma gueule ou quoi? J'espère qu'elle va comprendre que là c'était juste un enchaînement de situations. Mais qu'est-ce que tu veux espérer dans une situation comme ça? Il y a rien à espérer dans une situation comme ça. Tu sais que ça va finir par exploser là. C'est juste un bourbier là. Je suis pas sereine, je suis pas bien. J'ai peur qu'elle comprenne pas. Genre elle lui a dit quoi avant? Viens, j'ai un truc à te dire. Je peux pas te le dire pour l'instant. T'inquiète, il y aura plein de caméras. T'en fais pas, y a rien, juste accepte tout ce que je vais te dire. Tu l'as surtout pour la soutenir, parce que j'imagine que c'est pas facile de rencontrer quelqu'un avec qui on parle depuis des mois, mais qu'on non. Se pas forcément dans... Mais c'est vraiment rien. Vie, j'espère que, en tout cas, le garçon en face, il sera sur la même longueur d'onde et que ça pourra se passer correctement. T'es stressé? Quoi? Mais on est sur OCS, là? Je suis un peu stressée quand même. Ah ouais. T'es jamais stressée d'habitude? Ouais. Comment ça, d'habitude? Elle l'accompagne à chaque date ou quoi? En gros, si c'est venir ici, c'est par rapport à la personne que j'ai rencontrée. C'est sa marraine? C'est quelqu'un de ma famille? Non, non. En gros... C'est mon père. En fait, c'est ton ex. C'est Bardou. Mais nous, là, on veut juste qu'il débarque, là, s'il vous plaît. La réaction, elle est nulle. Donc là, je suis assise sur le canapé et tout, je suis partie de mon... Non, mais c'est Yanis, du coup... Quoi? Ah, en plus, c'est... Ah, vous voulez pas vous battre, là, comme des gens normaux? Là, vous devez vous rouler en... par terre, là. Vous devez vous tirer les cheveux. Mais t'es au courant que Yanis et moi, on se reparle ou pas? Samedi, on était partis au cinéma, on était partis au restaurant. On s'est embrassé. Aïe. J'ai commencé à m'attacher à lui. Vraiment, vraiment beaucoup.
1-1. Il y a 1-1. Voilà, il m'a fait espérer pour rien. Franchement, je me dis que les deux, on se fait prendre... Et quoi, ça va s'arrêter là ? Yanis, c'est un enculé, au revoir. Par contre, lui, il m'a rien dit. Hein. Quand j'ai déposé à la gare, il était... Mais je crois, en fait, ça va juste le convoquer. Et ça va juste... Il va y avoir un tribunal, en fait. Les deux, ils vont l'éteindre. Là, c'est ce qui va se passer. Mettez-moi dans la même pièce que lui, là. C'est une dinguerie, Milo, là. Ouais. Mais moi, je comprends pas comment elle a pu zapper aussi vite que... Elle a voulu zapper la personne qu'elle a fréquentée. Mais moi, là, la personne, j'aurais dit, mais va te faire enculer, je vais rien faire avec toi. T'as essayé de me faire un truc bizarre, déjà. Je vais régler mon problème tout seul avec la personne. Si tu veux, tu peux y aller, là. Ouais, bah ouais. Il va rentrer. Vas-y. Pourquoi elle parle comme le parrain ? Ouais, à toutes. Mais je me serais tellement cassé à sa place, là. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Oh là 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 là, la main dans la poche, dans le jean régular, il me fait peur celui-là là. Trop la rage, j'ai juste envie d'aller le voir et le confronter. Franchement, j'ai envie de le claquer. La petite barbichette. Bah attends, mais ça a le rima. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça va. Oh, il est dans un de ses bourbiers. Ça, je te plais du coup. Ouais. On va super bien ensemble. Mais c'est choquant. Non, il est trop fort. C'est choquant. Je te jure, c'est choquant. Non, mais t'es très beau aussi. T'es très beau. Merci. Vas-y lui, c'est choquant carrément. Pourquoi ? De se voir en vrai ? Oh, à fond. Je suis pas trop à l'aise là. C'est toi. Eh, moi je vous le dis, hein, ce mec là. Les deux, c'est pas les seuls. Hein. Ah non, je peux vous l'assurer, les deux, c'est pas les seuls. Là, tu lui parles pas ? Pourquoi tu veux que je lui parle ? Bah, ça aurait fait avancer les choses, peut-être, parce que vu que c'est la raison pour laquelle on se voit pas. C'est quoi ce brancheur professionnel ? Bah, fallait me dire avant, j'aurais fait. On a parlé 1000 fois. Je sais pas, j'étais pas chaud. Je rien avec elle. Quel regard malicieux. Tu parles d'un dégât ou pas ? Non. Zéro ? Non, moi je parlais qu'à toi. Mais oui, il fait trop rire. Elles sont où tes frères ? J'ai un beau bouquet, mais j'ai oublié dans le train. T'as oublié dans le train ? Ouais, hier j'ai eu 2 heures de retard. Oh, le mytho. Non, c'est trop. T'aurais pas pu en racheter entre temps ? Ah, j'avais pas le temps. Putain, mais c'est la fouine, frère. J'étais dans le train, j'ai oublié les fleurs, je me suis jeté par la fenêtre du train. Vas-y, arrête ! Ouais, j'ai un cadeau pour toi. Ah ouais ? Ouais. C'est un gros cadeau. Un beau cadeau de fou. Allez. Vraiment. Allez, l'happening. Oh, le regard noir. Yanis. Tu voulais un cadeau, surprise, non, je réalise ton rêve, là. Ça fait rire en plus, toi. Ah, en fait, c'est en commenté, là. Mais c'est pas possible. Au début, je me disais, mais c'est pas possible, c'est de l'acting et tout. Mais la meuf, elle a l'air trop sincère. Elle a l'air vraiment énervée et tout. Non, y'a pas d'eau. Eh, avale ta salive, je te jure, ça va passer. Y'a pas d'eau. Y'a pas d'eau. Mais eh, je suis désolé, mais ces regards, t'as Fabrice Eboué dans Inside Comedy Club. Les regards en mode. Frère, ça m'éteint de rire. Il joue le malaise, mais en même temps, il joue la rigolade. C'est trop fort. T'es un fou, toi ou quoi ? En plus, moi, je te dépose, hein. T'es un malade, toi. C'est mon enterrement, carrément. Toi, je vénère, tu rigoles. Moi, je suis là, j'ai sourire nerveux. Est-ce qu'on est allé jusqu'à où, cette histoire-là ? Allez, va falloir faire un choix, là. Là, pour moi, il veut partir comme un roi. Il se lève, il dit, hey, c'est beau, je veux son père. Enfin, je me casse. C'est sa seule issue. Là, pour moi, s'il fait un choix, il est fini. Parce que là, c'est pour rien, genre, au final. C'est encore pire. Tu voulais quoi avec Raya ? Tu l'as quoi ? Tu peux dire, hein, je voulais Mélo, je sais pas. À part s'il a un choix sincère dans sa tête qu'il veut faire. Je vais lui parler, je sais pas, j'ai envie de lui parler. Voilà. T'as rien à dire. J'ai envie de lui parler. Je sais pas, c'est... j'ai envie de lui parler, voilà, j'ai envie de lui parler. Voilà. Ok, et moi ? Et toi aussi, j'ai envie de te parler. Mais ça, je rigole des nerfs, hein, comme toi d'habitude. Là, c'est des nerfs qui rigolent. Bah, frérot, je suis désolé de dire ce que je vais dire, mais je crois qu'il dit la vérité. Hein. C'est... Je crois qu'il dit là pour une fois, je crois qu'il dit la vérité. On parle. Mais c'est moi, j'ai dit pardon. Non, tu m'as pas dit pardon. Tu me regardes dans les yeux, tu me dis pardon. Ah, pardon. Eh, pardon. C'est que le début, là, c'est pas lourd. Je vais vraiment... être ton pire cauchemar. Wesh. Vas-y, pour toi, c'est mon procès, carrément. Ça fait peur. Prends ta veste. Vas-y, cousin. Ta veste, ouais, voilà. Je sais pas. Et ferme la porte quand tu pars aussi. Après, c'est mérité quand même. Moi, je suis un mec à la base des bases, je suis un lâche de fou. En vrai, je suis un vrai lâche. Quoi ? Je préfère fuir que assumer les choses. À la base des bases, je suis un lâche. La phrase de fou. Mais non, mais tu peux pas dire ça, frérot. Même si t'es dans la merde et que c'est ta faute à 200%, je sais pas. Bon, il m'a oublié le torse. Mais c'est un ouf. L'action tout entière,
je regrette beaucoup. On regrette toujours après s'être fait prendre la main dans le sac. C'est juste pour énerver Raya. Alors je disais, c'est quoi Raya, je l'aime encore. Aïe, 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 je savais, il avait un choix sincère au fond de lui. J'ai fait de la merde. Mais là, maintenant, en fait... Mais on dirait un clip de R&B, là. Je suis désolé, les scènes, là, tu mets une musique d'R&B, ça passe crème. Ça passe vraiment crème. C'est horrible. C'est horrible. J'avais tout l'Algérien. Mais il a quoi? Il a froid, quoi. Mais je pars toujours du principe où mes copines passeront toujours avant des garçons. Oui, d'accord. Et Mélodie, je m'ai évité beaucoup de souffrance, là, avec Yanis. Les mecs et les meufs, ils disent toujours ça. Je fonçais dans le tas, moi. Je fonçais tête baissée, là. Pour moi, c'était reparti, mais comment... On connaît la suite, à chaque fois. Les tensions se sont apaisées, on va dire, en quelque sorte. Dieu pardonne, et voilà, je vais passer à... Ah, donc, ils vont se remettre ensemble, quoi. Meet Emma. A 6-foot-tall model from New York. Ah, putain, c'est le concept des personnes qui vont avec un déguisement chacun et qui doivent pas regarder leur physique. Non, mais par contre, elle est terrifiante. Hein. C'est vraiment des dates de fous furieux, ça. J'adore les mauvais garçons. Elle aime les méchants, genre. Ah. Elle demande beaucoup de choses quand même. Hein. Ah ouais. Are these horrible hunks? Quoi? Ah, y a trois prétendants avec les masques. Who looks for one thing in a partner? Well, two. Quoi? I am weak for big boobs. It's just something in my nature I can't control, you know. It's wired into me. Well, man needs a hobby. Il a bien fait de se déguiser en animal. We both rip each other's masks off, and then I just pick her up and we just run off into the sunset. Comment il a faim? Keeping expectations low. Avec son col en V, son torse de grizzly là. Next up is Archie, a student from Gloucestershire, England, who's dating his. Oh, par contre, le masque est vraiment trop stylé, je trouve. I thought I was a player, and I realize I ain't even all that. Mais le masque est incroyable, celui-là. Hein. That is a refreshingly modern viewpoint. Well done, big ass. Completing the trio is Adam from Birmingham, England. Stuart Little. Why are you single? And why are you at a bar talking to a man? Attends, c'est ses vrais cheveux ou ça fait partie du masque derrière? Non, je pense que c'est des faux cheveux. I feel like you like me better with the mask off. Okay. I mean, I'd... Ouais, il dit ça sur lui parce que c'est ce qu'il espère pour elle. Il est malin. I've always said you can be with someone, but you need to have like banter. What? Se charrier, se vanner. You making me laugh, for example, me making like bouncing off each other laughing. Mais il a raison. Ça, tu parles avec quelqu'un, mais n'importe quelle relation. Parle avec quelqu'un où ça se vanne pas, moi je trouve c'est gaze. How do our beastly boys think they did? We got on well. Elle va en tège un ou elle va en choisir un là? Conversation flowed nicely. Non, le masque, je le trouve fou. I don't think I felt that yet with anybody. Aïe. They didn't give me that vibe yet. They definitely need to work harder. Ah donc. Ah, ça continue. I think conversation flowed and you did make me laugh. But that pub with you. But you were talking over me, so that would. Wow, le pire truc, on te dit que t'es gênant. C'est finito pour lui. C'est fini. That little wink was everything. Elle va choisir lui. Elle va choisir avec la veste en jean, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah. Ah, va tège le mec à gauche, il est trop gentil. Le mec gênant, le mec à gauche, mais je pense le mec à gauche. Adam. Ouais, c'était sûr. Jamais t'aideras le mec à droite. Le mec à droite, il est arrivé, il a fait le mec taquin. On sait pas, est-ce que je suis un trompeur, est-ce que trick, machin. Hey. Quoi? Pardon. Il est moche à l'intérieur. Mais c'est une bâtarde, elle a dit, il est moche à l'intérieur. Genre un espagnol. Hallowed Hall is almost unbearable. Oh, my tummy. No hard feelings. Okay, okay. Elle s'en bat les couilles. Really. Mais je pense qu'elle s'en fout, elle s'en fout. Ouais. When we give him a sneaky peek of what she really looks like. You got your tissues, I can start crying. Ah, elle est grave fraîche. Okay. Il est dépité. Archie's up first. I'm just gonna be myself. I've got a personality. Mais lui, il a l'air trop cool. Il a l'air trop détente. Ça a l'air d'être un bon gars. I'm excited to be on this date with you. I'm just glad you haven't got ogre feet, because that might put me off. Ah, ça me dégoûte les pieds. Je suis désolé. Non, s'il vous plaît. Thankfully, normal feet are about to get. Non, non, s'il vous plaît. Don and Roz. Hello. Nice. I know. On va pas voir un massage de pieds quand même. Time to warm the oil.
And cue the pan pipe. Oh frère. My ages. Here we go. Il doit deviner son âge, mais c'est pas évident avec le masque. Comment il peut deviner ça? Moi, je lui donne 28. 21. Yeah, yeah. Hey. What? Hey. What about me? Je suis à côté de la plaque. 47. 62. 48, moi, give je dirais. Me his feet. Elle va lui faire une clé de jambe. Elle va lui mettre une clé de talon. I think he should have lied to Don about what he thought about her age. C'est un gamin. If he lied about that part, he would have come off more of as, you know, a gentleman. Elle est vraiment vexée par contre, je crois qu'elle rigole pas trop. Archie has stepped up his game. He's definitely showing me. Mais c'est ses vrais cheveux ça ou pas? Mais non, je pense pas. Once she gets this mask off of me, I think she's gonna really fall in love and mais je pense lui va faire le dalleux. Il va merder, il va faire le dalleux à un moment donné. Oh la chance. Incroyable. Quite happy. Ça me rappelle quand j'ai fait la nouvelle attraction du parc Astérix avec Inox. What's like the craziest place you've ever had sex? Oh boy. Looks like Venice. Non, il a trop la dalle. But we will rise above it. Oh my god, okay. Non, ça c'est terrifiant. Je l'ai déjà fait, c'est horrible. Je voyais tout Paname, t'es suspendu dans le vide. Oh my god. Non. Oh. Y a aucun intérêt à faire cette attraction, surtout dans les parcs d'attractions douteux. Oh, 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 la dinguerie. T'es en haut, tu fais toutes les prières possibles. And now, the big one. A real adrenaline. Non, moi je préfère celui-là que celui d'avant. Vicious. Oh, really? I'm going fast. Ça commence à donner la tête qui tourne par contre. You're like, come on, let's step up. Yeah. And I was like, oh. Yeah. I was like, mm. Mais la conversation, c'est des gémissements là. Are you communicative? Very. Overly. I mean, that's good. That's all you can ask. Ça serait incroyable qu'ils font ce concept et un jour la personne. On a teacup ride, I had my arm around her and it felt really natural and I could just see. À la fin, en fait, c'est son vrai visage. Elle retire pas le truc, elle dit mais en fait, je suis vraiment comme ça, c'est ma vraie tête. Ah mais ça y est, c'est fini. C'est quoi ça? J'étais sûr qu'il allait gagner lui. I'm gonna fall in love. Quoi? That mask off. Ah OK, d'accord. On est sur un Disney là. Je suis en train de regarder le Roi Lion, frère. Là, c'est de la zoophilie, hein. Faut aller en prison, par contre. Mais t'imagines, t'arrives à un parc d'attractions, tu vois ça. Mais je tombe dans le... Je porte plainte. Mais faut aller les chasser, là. Non, le pauvre, l'autre, il se doute pas ce qui est en train de se passer. Il se dit, tout s'est bien passé, c'était super bien. Non, c'est terrible. Stu. Yeah. Archie. Eh, c'est bon, really allez, passons à autre chose. C'est bon, allez. Bennett. You're my sexy merci, beast. Super. Ah ouais, surprise. Oui, ok. Yes, Bennett is Emma's man. Oh, la scène, le pauvre à droite. On dirait le même de Mr. V quand il est posé comme as. Il fait trop de la peine. Andrill, her prime mate. Bah, c'est bon, oubliez pas qu'il y a quelqu'un derrière. Non, mais il va chialer. Non, il me fait de la peine. Non, je vous jure, le pauvre, c'est pas bien. Mais arrêtez, ouais, je vous avais aucune empathie, c'est quoi ça? Mais non, mais oh! Mais vous êtes en train de créer un antagoniste! Mais c'est comme ça que ça commence, les serial killers. Hein. Ça va marcher, j'en suis sûr. Well, kudos. The baboon might need tranquilizing when he sees her. Whoa! Mais c'est Mastu. Will Emma regret her decision? Ah, le pauvre, il me fait de la peine. Oh my god! Hey. You're so cute! Oh, ah, t'es trop beau, mais tu peux rentrer chez toi, s'il te plaît? Ah, t'es vraiment un bon. She's a good-looking girl. Non, elle est au bout de sa vie. That little devil. Aïe. C'est Mowgli. Je m'attendais vraiment pas du tout à ça par contre. En fait, quand il a débarqué, j'ai cru que c'était une meuf carrément. Hi. Oh my god. Mais je m'attendais vraiment pas du tout à ce physique, mais pas du tout, frère. Wesh. So hot.
Eh ben écoute, GG à lui, hein. So I definitely made the right decision. And I'm really excited to see... C'était sûr, ça se voyait dès le début, le choix il était fait. C'est les bad guys qui gagnent toujours, c'est toujours comme ça. Les mauvais garçons, c'est toujours comme ça, c'est la vie, c'est... Les mecs, n'hésitez pas à vous abonner, merci pour la vidéo, prenez soin de vous, on se capte en stream. Salut !